Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Alors aujourd'hui, vidéo à nouveau sur le thème des étirements, durant laquelle je vais tâcher de répondre à une question qu'on s'est tous déjà posée. En l'occurrence, est-ce que s'étirer en fin de séance contribue à la prévention ou à l'atténuation des courbatures? Alors pour répondre à cette question, nous allons voir dans un premier temps, et ce de manière très simple, ce que sont les courbatures et quels sont les cas qui favorisent leur apparition. À la suite de quoi, nous verrons véritablement si s'étirer en fin de séance représente une bonne méthode de prévention ou s'il existe d'autres moyens à utiliser. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer ce programme. A tout de suite. Alors que sont les courbatures? Déjà, ce qu'elles ne sont pas, c'est le produit de l'accumulation de l'acide lactique. L'acide lactique étant très vite éliminé à la suite de notre entraînement. Non, les courbatures, ce sont tout simplement des micro-lésions infligées aux fibres musculaires, notamment lors du travail sur la phase excentrique. Notez bien ce détail. Micro-lésions qui vont entraîner une fuite de calcium dont la propagation progressive va entraîner une inflammation. Et d'ailleurs, c'est ce caractère de propagation progressive qui explique que la gêne fonctionnelle occasionnée par les courbatures atteint son paroxysme 24 heures, 48 heures après, et ce, pour plusieurs jours. Alors quels sont les cas qui favorisent l'apparition de courbatures? Elles sont très nombreux. Dans un premier temps, la reprise de l'activité sportive qui fait suite soit aux vacances, à une blessure ou éventuellement à une grande période de démotivation. Une intensité de travail plus élevée qu'à l'accoutumée, soit avec des charges beaucoup plus lourdes, un volume de travail beaucoup plus élevé. L'utilisation d'un principe d'intensification, ça peut être les biceps ou le rest pause, ou alors d'un nouveau mode de contraction, par exemple le travail excentrique ou le travail pliométrique, qui réserve d'ailleurs son lot de courbatures la première fois qu'on l'effectue. L'apprentissage d'un nouvel exercice qui induit généralement un nouvel angle de travail. L'irrégularité de la pratique sportive, bien sûr, qui n'est pas en reste. Et enfin, un échauffement de piètre qualité, voire l'absence totale d'échauffement. Donc voilà, maintenant que vous savez ce que sont les courbatures et quels sont les cas qui favorisent leur apparition, nous allons voir maintenant si effectivement s'étirer en fin de séance représente un bon moyen de prévention. Alors, est-ce que s'étirer en fin de séance représente un bon moyen de prévention contre les courbatures? La réponse est malheureusement non. Et d'ailleurs, les études sont unanimes à ce sujet. Même si effectivement, ces étirements vont vous procurer une forme de soulagement, ceci sera dû au fait que vous allez retirer un peu de raideur résiduelle. Rappelez-vous également que les étirements ont un effet antalgique, c'est-à-dire qu'ils vont masquer la douleur et vont permettre également de vous relaxer. Hormis ça, ça n'aura aucun impact sur les micro-lésions infligées aux fibres musculaires et sur ces futures courbatures. Donc au mieux, ça ne servira à rien, au pire, vous allez aggraver la situation. Je m'explique. Si vous soumettez un muscle qui est déjà lésé à un étirement soit trop intense, soit trop prolongé, c'est-à-dire au-delà de 30 secondes, voire les deux, que va-t-il se passer? Eh bien, vous allez soumettre ce muscle à un stress équivalent à celui d'une phase excentrique. Donc vous allez soit créer des lésions supplémentaires, ou alors vous allez accentuer celles qui sont déjà existantes. L'un dans l'autre, ça amènera inéluctablement à une amplification de vos futures courbatures. Donc mon conseil, si vous entraînez un muscle susceptible d'être courbaturé, surtout ne l'étirez pas en fin de séance. Ou alors si vous désirez vraiment en faire, faites-en sur de très courtes périodes, 5-10 secondes et à faible intensité. Alors existe-t-il des moyens de prévention contre les courbatures? La réponse est oui, même s'ils sont très loin d'être miraculeux, ils représentent toujours des petits plus. Et d'ailleurs, vous allez vous apercevoir que ces différentes méthodes ont pour axe de travail la stimulation de la circulation sanguine. Et ceci afin de favoriser l'apport en oxygène, favoriser l'apport en nutriments et faciliter l'élimination des toxines. Le tout afin d'accélérer la vitesse de cicatrisation de ces micro-lésions. Alors en premier moyen, nous avons les automassages ou les massages pour les plus chanceux d'entre vous à effectuer pendant 15-20 minutes jusqu'à 2 heures après votre séance. L'électrostimulation, très intéressant. Les électrostimulateurs qui proposent aujourd'hui des programmes anti-courbatures ou alors capillarisation, celui que j'utilise personnellement, qui comme son nom l'indique, réouvre les capillaires sanguins afin de favoriser, de stimuler la circulation sanguine. La douche écossaise, l'alternance eau chaude et eau froide qui va créer une forme de vasopumping en alternant vasoconstriction, eau froide, et vasodilatation, eau chaude. Le traitement par le froid ou la cryothérapie, qui pour des moyens de logistique, et ça coûte assez cher, est assez difficile d'accès, uniquement pour les sportifs de haut niveau. Maintenant, rien ne vous empêche de remplir votre baignoire de glace ou d'eau froide et de plonger dedans. La régularité de la pratique sportive est un moyen qui ne demande absolument aucun matériel, juste de la discipline. Car c'est cette régularité qui va permettre à vos muscles de devenir au fil des années plus résilients, plus tolérants et de s'adapter à ces contraintes. Et enfin, on y revient toujours car pour moi, ça reste la pierre angulaire d'un bon entraînement.
tâchez de bien vous échauffer. Je sais que certains d'entre vous voient en l'échauffement une perte de temps, mais je vous prie croire que ce seront certainement les minutes les plus judicieusement investies, tant pour vos performances que pour la prévention d'éventuelles blessures. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les étirements et les courbatures. Alors je sais que certains d'entre vous vont me dire « Mais attends Enzo, au vu de tes deux dernières vidéos, ces étirements en musculation, ça ne sert absolument à rien. » La réponse est non. Non seulement les étirements sont utiles, mais ils sont également indispensables pour s'assouplir et gagner de l'amplitude de travail. Le tout étant de les effectuer de la bonne manière, mais surtout au moment le plus judicieux. Chose que nous verrons par la suite. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Hein. Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas les amis, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances, de bonnes reprises pour ceux qui sont revenus. Il est temps pour moi aussi d'aller me reposer. On se retrouve à mon retour pour de nouvelles vidéos. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis, ciao, salut.